Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et des questions de déontologie chrétienne. J'ai avec moi le pasteur Isaac. Bonjour, bonsoir pasteur. Bonjour apôtre. Bonjour, bonsoir pasteur Darius. Bonjour apôtre. On a parlé des persécutions et des épreuves et là on est en train de parler des épreuves. Mm-hmm. Et on va consacrer toute une émission sur comment fortifier sa foi pour pouvoir vaincre n'importe quelle épreuve amen, qui vient. Amen, amen. Mm. Effectivement, merci encore une fois, apôtre, pour l'opportunité que j'ai d'être à cette émission, dont il est vraiment important de fortifier sa foi. Et comme on l'a dit dans la précédente émission, tu nous as enseigné les états de la foi. Et on voit que ces états-là n'ont pas les mêmes résultats. Et je pense que durant cette émission, on va pouvoir exposer comment fortifier sa foi. Oui. C'est sûr qu'il faut la développer. Mm. On peut développer sa foi sans que la foi soit forte. C'est donc ça. Il est vraiment important de comprendre comment fortifier sa foi dans cette émission. Amen. Merci encore, apôtre, pour la grâce que tu me donnes de participer à cette émission. Et je pense qu'effectivement, comme le pasteur Isaac le disait, c'est important de fortifier sa foi et on va voir comment on le fait. Mais je pense aussi que c'est important de faire la différence entre les actions qu'on pose pour fortifier la foi et les actions qu'on croit poser, qu'on ne pose pas vraiment. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui posent des actions mais qui, au final, en fait, ne vont pas les maintenir jusqu'à ce que la foi puisse produire. Mm. Tout comme il y en a qui ne savent pas, tout simplement. Et donc, je pense que c'est important aussi donc, qu'on puisse voir tous ces aspects. OK. Pour pouvoir faire un petit résumé des différents états de la foi, des différents états de la foi, sachez que votre foi peut être petite, elle peut être grande, elle peut être petite et faible. Amen. Là, vous êtes foutus. Elle peut être petite et forte. Elle peut être grande et faible. Elle peut être grande et forte. Et Dieu veut qu'on ait une foi grande et forte. Okay. Bon, rapidement, on va, pour ceux qui n'ont jamais suivi cet enseignement-là, la petite foi, c'est la foi qui n'a pas beaucoup d'informations sur Dieu, sur l'autorité que nous avons en Christ, sur ce que nous sommes en Christ, ou ce que Dieu est et peut faire dans nos vies. Ça, c'est la petite foi. La foi faible, c'est celle qui n'est pas du tout exercée, celle qui ne s'exerce pas. La foi forte, elle s'exerce, on l'utilise. La grande foi, c'est celle qui a beaucoup d'informations sur Dieu, sur l'autorité, sur ce que nous sommes en Christ. Et après, la foi... Après, il y a la grande foi qui est forte. Voilà, la grande foi forte, elle a non seulement les infos, mais elle est aussi... Voilà, voilà. Là, en fait, nous vous avons dit que quelle que soit la taille de votre foi, si elle est forte, elle peut déplacer les montagnes. Amen. Parce que le Seigneur a quand même dit que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à ce sycomore, déplace-toi de là, il va te jeter dans la mer. Amen. Ou bien, on peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Donc, ça veut dire que le problème, parfois, ce n'est pas la taille. Non. La taille de la foi a ses problèmes. Dans la durée, la petite foi ne peut pas tenir longtemps la pression. Okay? C'est vrai. Voilà, dans c'est la durée... Dans la durée, elle ne peut pas tenir longtemps la pression. C'est ça le problème de la petite foi. Mais la petite foi, lorsqu'elle est fortifiée, elle peut faire des grandes choses. Amen, amen. Par exemple, Pierre, il a marché sur l'eau avec une petite foi. Quand il a commencé à se noyer, vous voyez la durée, il n'a pas pu tenir longtemps. Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà, donc c'est important que vous puissiez comprendre que vous devez connaître les mécanismes pour fortifier votre foi, afin que votre foi puisse déplacer n'importe quelle montagne. Alléluia. Amen, et à l'esprit comme ça, là, peut-être que tu as déjà un mécanisme ou bien tu voulais rajouter quelque chose. Non, bien sûr, je pense que c'est vraiment important d'aborder ces mécanismes-là qui permettent de fortifier sa foi, parce qu'on peut écouter effectivement des informations, mais on ne met pas en pratique et puis on peut avoir des surprises. Tiens, j'ai écouté ceci. Mais est-ce qu'on a mis en pratique la parole de Dieu pour pouvoir fortifier sa foi? C'est pour ça, l'un des mécanismes déjà qu'on peut voir, et on a l'exemple de certaines personnes, certains héros de la foi dans la parole de Dieu. On voit par exemple David, on voit même Daniel ou Joseph. Le mécanisme qu'ils utilisaient beaucoup, il y en avait il y en a d'autres, ça va être par exemple la prière. La prière, je peux même ajouter le jeûne. On va voir que le jeûne également fortifie beaucoup la foi. Finalement, on voit ces mécanismes, ce sont des mécanismes qui nous invitent à pratiquer la parole de c'est Dieu. Ça. Donc il faut que les internautes comprennent qu'on peut écouter des choses, mais si on ne pratique pas, notre foi ne sera pas fortifiée. Donc par exemple, la prière va vraiment fortifier notre foi. Un jour, le Seigneur m'a dit...
le Seigneur m'a dit, ma présence fortifie ta foi. Amen. Avant, je pensais que le seul mécanisme, c'était la parole de Dieu. Amen. Lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, on va en parler tout à l'heure. Mais un jour, je me suis mis à prier, et j'ai senti ma foi fortifiée, boostée. Je suis sorti de là, j'avais l'impression que j'étais un géant, en fait. Et j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a dit, j'ai fortifié ta foi. Et en étant dans la présence de Dieu, vous allez voir, il y a tellement de choses que vous avez emmagasinées dans votre esprit, de bonnes choses que vous avez emmagasinées dans votre esprit, que la prière va réveiller, en fait. Parce que la prière va rendre... va favoriser la sensibilité de votre esprit, en fait. Et l'esprit sensible est important pour entendre même la voix de Dieu qui produit la foi. Parce que rappelez-vous que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et parfois, pour soutenir notre foi qui est là, Dieu peut nous donner une autre parole pour pouvoir soutenir la foi qui est là, en fait. Et c'est important que tu dises ça, apôtre, parce que je pense vraiment que on doit se souvenir que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ouais. D'où le fait qu'une grande foi, c'est une foi qui a beaucoup d'informations. C'est ça. Donc, si tu as reçu beaucoup de choses de la part de Dieu, si tu as entendu beaucoup de choses de la part de Dieu, tu as beaucoup de possibilités pour développer une grande foi. C'est ça. Et donc, je pense que la plupart du temps, notre foi, en fait, pour s'édifier sur notre... Très sainte foi, voilà. Parce que c'est un peu ça, quelque part. C'est comment faire en sorte que notre foi soit forte, en fait, être capable de soulever des choses. C'est qu'il faut faire des choses qui nous aident à prendre conscience que la parole que nous avons reçue est réelle. Par exemple, le fait d'adorer le Seigneur. Quand tu adores le Seigneur, tu prends plus conscience du monde spirituel et de toutes les choses qui sont spirituelles. C'est vrai. Et c'est là où, comme tu dis, apôtre, quand le Seigneur va te rappeler certaines paroles, c'est là où elles vont prendre vie. Elles vont devenir réel vraiment pour toi. Mais pourquoi? Parce que tu es plus spirituel. Une fois, le Seigneur m'avait dit également que, en fait, je suis tout le temps là. C'est vrai que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais ce jour-là, ça a pris un sens différent. Je suis tout le temps présent. En fait, quand tu dis que tu sens la présence de Dieu, c'est que tu viens de prendre conscience de ma présence. J'étais déjà là, en fait. Et l'idée, c'est de plus tu as conscience de ma parole, en fait, plus ta foi sera maintenue forte. Et puis, on va certainement rester toujours sur la prière parce que c'est quand même un grand mécanisme. Rappelons, comme on l'a dit aux émissions précédentes, que Jésus passait beaucoup de temps à prier. Oui. Je pense que beaucoup d'érudits disent même qu'il priait plus qu'il ne parlait. Donc, je pense que la prière est quand même un grand mécanisme. Pour revenir peut-être sur le passage de Jude 1, là, qui dit que, bien-aimé, édifiez-vous sur votre sainte foi, priez par l'Esprit. Donc, on voit quand même que parfois, ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est l'expérience certainement de ceux qui nous regardent, c'est que notre foi peut être forte aujourd'hui, on va avoir des résultats, mais ce que Dieu veut. Et même parfois, notre foi peut avoir des impuretés, parce que c'est comme une machette, la foi est une arme. C'est comme une machette qu'on va utiliser, à un moment, le tranchant va s'émousser. C'est ça. Je pense que c'est ce que Jude veut dire également, ça veut dire, vous avez utilisé votre foi, et votre foi est forte, vous avez même atteint un certain pic de foi en termes de développement et de force. Vous l'avez utilisé, mais quand vous l'utilisez, ben, ce n'est pas tant que la foi s'affaiblit, mais comme vous l'avez utilisé, c'est comme s'il y a eu quand même un peu... le tranchant s'est émoussé. C'est pour ça qu'il est important de reprier. Donc, pour réatteindre ce pic-là, je pense que c'est surtout ce que Jude va dire. Édifie-toi sur ta très sainte foi. La foi que tu as atteint, quand tu repries, tu réatteins, tu remets les pendules à l'heure par rapport à cette foi-là. Parce que c'est ça qui peut faire en sorte que certaines personnes, en fait, vont affronter un problème. Ils vont le vaincre par la foi. Et ils vont affronter le même problème quelques mois après. Ils n'arrivent pas à le vaincre. La différence, c'est quoi? C'est que le problème est venu dans des états différents de ta foi. Amen. C'est tout. Le problème est venu. Donc, c'est pour ça que tout le temps, ta foi doit toujours être fortifiée. La prière va fortifier ta foi aussi, parce que la prière développe la conscience de la présence de Dieu. Et tu ne peux pas être conscient de la présence de Dieu sans être conscient de la grandeur, de la puissance de Dieu. Parce que c'est quoi être conscient de la présence de Dieu? Est-ce que c'est sentir la fraîcheur, en fait, sur son corps? Non, c'est bien plus que ça. Être conscient de la présence de Dieu, c'est être conscient du caractère, de la nature et des voies de Dieu. Amen, en fait, être conscient de la présence de Dieu. Et donc, quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu vas être conscient de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. À partir de ce moment-là, je ne vois pas le problème que...
en fait, qui te fera peur. Non. Parce que tu sais que le Dieu qui est grand est avec toi, en fait. Amen. Ça, déjà, ça va fortifier ta foi. Et quand tu vas être dans ta communion avec, Dieu, tu vas réaliser la grandeur de Dieu. Mais comme Dieu nous éduque, Dieu va te dire, mais en fait... je ne veux pas rester moi grand. Je veux faire de toi un grand, en fait. Amen. Yes. Il va nous dire, je veux faire de toi un grand, en fait. Et c'est là où il va nous dire, non, c'est simple, parle à ce problème-là. C'est rien du tout, tu peux le vaincre, en fait. Ça, c'est quand tu développes la conscience de la présence de Dieu dans la prière. Et il faut vraiment, pour aller dans le même sens que toi, l'apôtre, il faut que les gens comprennent vraiment cette conscience de la présence de Dieu. C'est voir Dieu vraiment comme notre Seigneur. C'est ça. En fait, où vraiment il règne dans notre esprit. Amen. Mais surtout, il vient également régner dans notre âme, dans nos émotions, dans notre volonté, parce que c'est important. Je pense que le réma, comme tu as de la foi, vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Quand on reçoit un réma, le réma non seulement fortifie notre esprit, mais influence également notre âme, nos émotions. Amen. Amen. Je pense que quand on a cette conscience de Dieu par la prière, par la communion avec Dieu, mais il vient stabiliser tout même dans nos émotions. C'est vrai. Et quand on est dans cette attitude-là, on ne prémédite pas, en fait. Les émotions qui se manifestent, ce sont des émotions qui sont liées à la foi, à la conscience de la grandeur de Dieu dans notre vie. C'est exactement ça. Donc, Dieu vraiment mine notre intellect. Et même le subconscient, c'est ce qui fait qu'on fait on vit seulement par la foi. Si c'est la paix, malgré la situation, on va se comporter d'une certaine façon parce qu'on a la conscience de la grandeur de Dieu. Ça. Tu fais bien de parler des émotions en parlant justement de la fortification de la foi. Parce que l'un des moments où la foi s'affaiblit, c'est quand nos émotions sont faibles, en fait. On a le moral bas. En fait, le moral bas... affaiblit la foi, en fait. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans notre morale, c'est important que nous soyons fortifiés. Et c'est pour ça que la prière peut relever le moral, en fait. Amen. Pourquoi lorsqu'on prie, on sent une joie? Pourquoi lorsqu'on prie, on sent un bonheur, en fait, qui vient? Parce qu'il y a une substance qui se libère pendant que nous prions, que le Saint-Esprit, en fait, va libérer, va favoriser pour pouvoir relever notre morale, en fait. Et d'ailleurs, à Gethsémané, quand Jésus va prier, la Bible dit que Dieu va envoyer un ange pour le fortifier, en fait. Et nous savons très bien qu'à Gethsémané, le défi de Jésus était un défi émotionnel. C'était émotionnel, en fait. Et il pensait déjà au moment où il allait être séparé de Dieu. Nous, on a une révélation plus grande parce qu'on ne pense pas que Jésus criait comme ça à Gethsémané parce qu'il avait peur des clous. Nous savons que ce n'était pas ça. Que c'était la séparation avec son père qui a mis à rude épreuve ses émotions. Amen. Et la Bible dit qu'un ange est venu le fortifier, donner de la force, donner à ses émotions de la force, en fait. Et je pense que, comme tu dis, apôtre, pour aller dans le même sens, je pense que c'est vraiment la prière va nous donner un accès dans la fortification justement de nos émotions. Et au-delà de ça, c'est que la prière va même non seulement nous aider à prendre conscience de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu, mais c'est par la prière aussi que nous allons avoir le courage de déclarer les choses. C'est ça. Et donc c'est important de comprendre que lorsqu'on prie, et compris de la bonne façon aussi. Compris de la bonne façon. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, Seigneur, j'en ai marre, ma situation, fais quelque chose, oh là là, machin, nanana. Il faut savoir aussi prier de la bonne façon, je pense qu'on pourra peut-être en parler. Et c'est là où nous sommes édifiés. Il ne s'agit pas de se plaindre, il ne s'agit pas de donne-moi. Il s'agit de prier de la bonne façon pour ensuite voir justement qu'on est fortifié et qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et à partir de là, comme tu disais, apôtre, on est comme un Superman. Tout est possible. C'est ça. Parce qu'on peut pousser plus loin la prière encore dans un autre mécanisme de fortification, la louange et l'adoration. Parce qu'en fait, dans la louange et l'adoration, il y a une... Dans la louange, déjà, on exalte les hauts faits de Dieu, Et les hauts faits de Dieu, il les a fait non seulement en créant l'univers, mais en nous délivrant nos ennemis, en nous accordant la victoire dans beaucoup de domaines. Amen. Et les hauts faits de Dieu aussi, ce sont ces personnes dans la Bible qui ont rencontré les mêmes difficultés, les mêmes épreuves que nous, ces personnes de la même nature que nous, Dieu a délivrées. Si les hauts faits de Dieu, c'est délivrer Daniel de la fosse au lion, Dieu va te délivrer de ce problème au travail aussi. Complots et les épreuves qui sont dans ton travail, Dieu peut te délivrer, en fait. Et quand tu loues Dieu pour ces hauts faits, tu te rappelles de ce qu'il a fait. Et à un moment donné, ça fortifie ta foi. Et on le voit vraiment que
Daniel n'était pas préoccupé par la situation au travail, comme on le dit. Son attention n'était pas ça. Son attention était toujours sur Dieu. Amen. Assez remarquable. Il y a un décret, il y a des lois, comme on avait vu, qui sont modifiées. Le monsieur repart chez lui, mais il est surtout concentré sur la vision, la libération du peuple d'Israël. Il va ouvrir les fenêtres et toujours regarder vers Jérusalem. Il va continuer, ce qui est remarquable, il continue à faire... appliquer des principes qui faisaient son succès. C'est ça. C'est-à-dire, malgré l'épreuve, malgré les nouvelles, parfois beaucoup de gens entendent des mauvaises nouvelles, comme des épreuves, et tout d'un coup, ils paniquent, ils changent d'agenda, ils rebattent les cartes. Mais là, ils sont en train de déjouer. Mais Daniel va continuer à faire la même chose. La Bible dit qu'il a continué à prier 3 fois par jour. Ça montre quand même que la prière faisait partie du secret de son succès. C'est ça. En d'autres termes, fortifier sa foi. On le voit même un peu plus haut. Quand le roi va avoir une vision, et le roi voulait tuer toutes les personnes qui ne pouvaient pas interpréter. Il va dire, le roi lui donner un peu de temps. Il va trouver ses amis. Ils vont se mettre à prier. C'est ça. On voit vraiment que c'était des hommes de foi, comme la Bible nous montre dans Hébreux 11. Mais qu'est-ce qui fait que leur foi soit forte? C'est entre autres vraiment la prière. Mais c'était éprouvant en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une épée de Damoclès sur eux parce que le roi... va tuer tout. Amen. Il va tuer tous les, comment on dit, les sorciers, les satrapes. Et les prophètes étaient dedans. Parce que Daniel n'était pas un satrape ou un sorcier. C'était un prophète, en fait. C'est pour ça que sa vie était menacée, en fait. Parce que pourquoi la vie de Daniel va être menacée dans de telles circonstances? Ce n'est qu'un gouverneur, en fait. Mais sa vie était menacée parce que le gars était considéré comme un prophète, en fait. Et qu'est-ce qu'il va faire dans cette période-là, il va se mettre à prier. Amen, amen. Il va se mettre à prier et la prière va avoir un double effet. Amen. La prière va le fortifier et la prière va donner la solution au problème, en fait. Amen, je pense que l'un des réflexes qu'il faut avoir, souvent lorsque vous avez des défis, c'est vous rapprocher de Dieu, en fait. On va vous donner d'autres clés, d'autres mécanismes, mais se rapprocher de Dieu, être conscient de la présence de Dieu, être conscient de la puissance de Dieu, être conscient de ce que Dieu va faire. Amen, amen. Visualiser ce que Dieu va faire dans cette situation, ça va améliorer les choses. Si tu me permets, qu'il s'envole, à un moment en amont, tu as parlé de la louange, par exemple, la prière, Dieu. Et il faut vraiment que ceux qui nous regardent comprennent que la louange va activer l'esprit de force dedans de nous. Amen. Ça dit quand l'épreuve arrive, mais c'est un peu comme Samson, ça dit quand l'esprit de force est activé, mais le problème de l'épreuve devient petite. C'est vrai. C'est pour ça que beaucoup de personnes, on le voit même avec Paul et Silas, beaucoup de gens se concentrent sur l'épreuve. Moi, généralement, ce que je veux souvent faire, par exemple, si je sors ou je fais des choses, je veux me concentrer sur Dieu. Je veux être conscient de la présence de Dieu. Je veux être rempli de Dieu. Le reste, je ne m'occupe pas. Je sais, parce que je suis rempli de Dieu. Dieu m'environne. Il n'y a que le succès qui est au bout du chemin. Amen. Donc, il est important de louer Dieu. Même la prière, comme le pasteur David dit, il y en a qui vont souvent prier, ils ne parlent plus de leurs problèmes dans la prière. Non, la prière, c'est exalter Dieu. Exalter Dieu, comment dire, faire des prières de louange, d'adoration. Et quand on fait ça, on active l'esprit, l'esprit de force. Et on se fortifie. Je pense que quand on est fortifié comme ça, on va donner relais à l'extraordinaire stratège. Amen. Il va nous faire sortir du pétrin. Yes. Et la Bible va dire qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange. Et l'idée de siéger, c'est dire qu'il règne. Il règne. Quand il est là, plus rien ne peut se passer sans son accord. Amen. C'est lui maintenant qui dirige, qui devient le chef de la situation et le seigneur de la situation. Et je pense que c'est important de comprendre que la louange va nous donner justement cette même mentalité de Dieu, de siéger, de dominer les situations. Amen. Et pour aller plus loin par rapport même à l'adoration, l'adoration va nous pousser à nous concentrer sur Dieu. C'est ça. Et on oublie nos problèmes. On oublie le problème, on se concentre sur Dieu. Et quand on revient de cette expérience, en fait, tous les problèmes sont bas. Plus rien, parce que à force de nous concentrer sur Dieu, il nous impacte et il nous influence, en fait. C'est comme si son parfum, tout ce qu'il était, nous influençait et on devient comme lui. Et à partir de là, on voit les problèmes comme lui, il les voit. Exactement. Et du coup, on va forcément adopter la même attitude que lui. Et je pense que c'était l'un des secrets aussi de David. Parce que David est quand même décrit comme quelqu'un qui maîtrisait l'onction et qui était un adorateur. À un moment donné, lorsque Saül va être embêté par les démons, on va l'inviter parce qu'il jouait de la harpe. C'est ça. C'est
Pourquoi, comment ça se fait qu'on l'avait remarqué à l'époque, mm-hmm. au point de penser à lui et de le faire venir, mm-hmm. parce que lorsqu'il jouait, il y avait quelque chose qui se passait. La preuve, mm-hmm. c'est que les démons se calmaient, mm-hmm. et arrêtaient de l'embêter, mm-hmm. et on sait très bien aujourd'hui avec mm-hmm. révélation que c'est l'onction qui se manifestait, mm-hmm. donc c'est-à-dire que l'adoration faisait en sorte mm-hmm. que tout type de problème se stoppe. Amen. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu s'adressait directement au problème. Amen. Je pense que tu sais, important. Justement, la particularité de l'onction, hein, c'est que l'onction peut se manifester sur nous et nous donner un courage extraordinaire. Alléluia. Nous donner une hardiesse. Quand l'onction se manifeste, c'est bizarre, on devient hardi. Mm-hmm. C'est pour ça que certains hommes de Dieu, dès que l'onction est là, ils vont annoncer des choses et faire des choses. Amen, amen. Tu te dis, mais my God, mais comment il va faire ça? Oui. Parce que l'onction donne la hardiesse. Amen, et amen, nous amen, savons amen. Que l'une des façons d'activer l'onction, c'est dans l'adoration et la louange, amen, en fait. Amen, amen. On parle des problèmes qu'on doit vaincre, mm-hmm. en fait. Et nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir le moral bas. Amen. On doit être fortifié. Amen. Si on vous dit que la prière, la louange, mm-hmm. l'adoration fortifie vos émotions, mm-hmm. sachez aussi que ça active l'onction, amen. Qui active la hardiesse. Yes, yes. Moi, les moments où j'ai fait des déclarations les plus hardies, mm-hmm. et les plus courageuses, c'est quand l'onction était sur moi. Mm-hmm. Et c'est quand je sentais vraiment l'onction sur amen. Moi. Mm-hmm. Donc, c'est ça, vous n'allez pas mm-hmm. prier, vous n'allez pas adorer, vous n'allez pas louer Dieu sans que vous ne ressentiez l'onction sur vous, en fait. Enfin, si vous savez reconnaître, hein, quand est-ce que... quand elle est là, moi, je sais que quand elle est là, à un moment donné, je deviens hardi. Je deviens hardi. Et c'est pour ça que c'est une folie d'avoir des problèmes et de ne pas prier. Amen. Mais c'est ce que même David... Déjà, ils ont les problèmes, en plus, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Non, mais... comme le pasteur David a dit, il faut également prier la bonne façon. La bonne façon, ça, c'est ça. Important, parce que parfois, les gens exaltent les problèmes. Ah, ouais. Dans leur louange, au lieu de vanter, élever Dieu, exactement. Ils élèvent leurs problèmes. Et ça, ce n'est pas une louange qui monte dans le cœur de Dieu. On élève Dieu face aux problèmes. On n'élève pas les problèmes. On le voit avec Paul et Silas. Ils vont chanter haut et fort. C'est ça. Les louanges à Dieu. C'est ça. Ils étaient en prison. C'est ça. On dit même qu'ils avaient des blessures aux jambes et plein de choses. Ils ne vont à aucun moment parler de leurs problèmes. Amen. Ils louent Dieu. Et Dieu va venir, il va siéger, il va les délivrer, non seulement eux, également délivrer d'autres personnes qui étaient c'est autour. C'est ça. Donc il faut vraiment prier de la bonne façon, il faut élever Dieu. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut beaucoup prier dans l'esprit. C'est ça. On voit que la prière en d'autres langues va être une prière de louange. La Bible va nous montrer dans les Actes des Apôtres, il fut rempli de l'esprit, il se mit à parler en d'autres langues et dire des merveilles à Dieu. Amen. Donc il faut prier en d'autres langues. C'est pour ça que Jude va dire, édifiez-vous sur votre très sainte foi en priant par l'esprit. Parce que quand vous priez par l'esprit, c'est une prière de louange, c'est une prière d'adoration, c'est une prière qui élève Dieu. Et surtout, on prie dans l'esprit. On ne peut pas être à côté. Le jour où certains chrétiens vont comprendre les vertus de la prière en langue, je vous assure, hein, ils parleront très, très peu en français. Ils vont beaucoup prier en langue, c'est en fait. Vrai. Hein. Amen, ils vont amen, beaucoup amen. Prier en langue. Amen. Moi, quand je prie chez moi, je prie beaucoup, beaucoup en langue. Beaucoup, beaucoup. Amen. C'est quand je suis avec les frères que je prie en français parce amen. Que je veux les édifier, amen, en fait. Amen, je veux amen, les édifier. La prière en langue, la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Oui, et le verbe s'édifier, c'est construire, amen, en fait. Amen. Donc, ça va restaurer même nos émotions. Notre âme est affaiblie pendant ces moments-là, la prière en langue va favoriser l'auto-fortification. Mais je pense que vraiment, comme tu dis, apôtre, c'est des choses que les gens doivent expérimenter pour avoir la révélation de ce que c'est. Personnellement, je l'ai expérimenté. Le jour où j'ai lu ce passage biblique, j'ai compris qu'il s'agissait de construire. J'ai compris par là, en fait, que le chrétien que je veux devenir, je le construis par le parler en langue. Amen. Donc, c'est comme ça que je dois le construire. Si je veux développer la sagesse, je veux développer l'intelligence, je pense à la sagesse, à l'intelligence, et je prie en langue, en étant concentré dessus. Et j'ai vu véritablement les résultats. Je me suis découvert... des idées, je me suis dit, mais comment j'ai pu avoir ce genre d'idées? Et quand je regarde, par la grâce de Dieu, mon parcours jusqu'à aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi, en fait, j'ai pu faire certains choix, pourquoi je n'ai pas pu être influencé par certaines décisions, même si c'était des personnes peut-être qui pouvaient être un peu proches ou qui n'étaient pas forcément édifiantes. J'ai pu faire les bonnes décisions au bon moment, être même connecté spirituellement, et du coup, même ma foi n'a pas faibli. Pourquoi? Parce que je construis cette homme intérieur, je le construis tout le temps et tous les jours. Et je pense que c'est
en parlant de la bonne façon pour prier, c'est commencer par prier en langue. Par commencer vraiment par prier en langue. Parce que lorsqu'on prie en langue, on dit ce qu'il faut au bon moment. Parce qu'il se pourrait que des fois, on ait envie de prier pour demander, par exemple, une voiture. Seigneur, je veux une voiture. Mais en parlant en langue, le Seigneur ne va pas vouloir te donner une voiture. Il va peut-être te donner un travail qui va ensuite te donner l'argent pour avoir une voiture. Donc, mais toi, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Mais si tu pries en langue, tu vas prier exactement pour la bonne chose et la foi nécessaire pour la bonne chose va venir. Et c'est pour ça, parfois, il faut même ajouter, par exemple, faire la sobriété ou faire le jeûne. Parce que même par rapport au parler en d'autres langues, pas encore approfondir. Et parfois, les gens peuvent se mettre à faire un parler en langue résiduel. On est un peu comme dans l'âme, un peu. On est un peu. Parfois, même on prie, on a l'âme ailleurs. Parfois, c'est important de faire la sobriété ou carrément jeûner. Ça va nous aider vraiment à approfondir notre parler en d'autres langues. On rentre vraiment dedans, dans l'esprit, on sent vraiment que là, c'est l'homme intérieur qui prie et nos émotions, notre âme dedans et notre corps. Mais on est vraiment plongé dans cette activité-là. Et je pense que c'est là où vraiment, à un moment, on peut ressentir vraiment la foi. On peut ressentir cette substance-là quand on prie en langue. On prie vraiment comme un lion, on passe du temps. Et on sait que notre foi a été édifiée. Non, c'est clair. Cette substance-là, on le ressent. Donc, c'est clair. Ces choses-là sont réelles. Non, il faut comprendre que la force de votre foi est intimement liée à la force de votre esprit. Ah, en fait. Amen. Parce que la foi, c'est la force de votre esprit. Dans l'âme, la volonté, c'est la force de votre âme. Et dans le corps, c'est l'énergie, en fait, qui est la force de votre corps. Donc, si vous pensez à fortifier votre esprit, votre foi sera fortifiée, en fait. Et l'une des choses qui fortifie votre esprit, c'est la communion avec Dieu. Et c'est tout à fait normal, parce que votre esprit vient d'où? Votre esprit vient de Dieu, en fait. Vous suivez? Vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, il s'affaiblit. Vous suivez? L'environnement du poisson, c'est l'eau. C'est l'eau. Donc, si le poisson est hors de l'eau, il va perdre des forces et il va mourir. Donc, l'esprit est fait pour être en communion avec Dieu. Donc, si l'esprit humain est constamment en communion avec le Seigneur, il va systématiquement se fortifier. Donc, votre foi sera forte. Amen. C'est important. Et je pense que c'est pour ça que... que Dieu n'a pas de petite foi faible. Dieu a une grande foi qui est forte. C'est ça. Et il y a quelque chose, je me rappelle toujours de cet enseignement-là. Tu étais en Bretagne, je regardais à la télévision, et moi, tu as dit, en fait, quand vous communiez avec Dieu, vous partagez sa foi. Amen. Depuis là, ça, quand je prie, je pense toujours à cette image-là, que quand je prie, même si ma foi était à un certain niveau, mais le fait que je communie avec dans la prière et qu'il y a peut-être une épreuve, il y a peut-être une situation, mais le fait que je prie, je vais à un moment partager la foi de Dieu pour vaincre la situation. Amen. Donc vraiment, la prière, c'est également ce temps de communion où on va communier avec la foi de Dieu pour remporter la victoire. Et je pense que c'est même important aussi, en parlant du parler en langue, la Bible va dire, en fait, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Il va dire, je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. Et je ne sais pas, c'est pas beaucoup de personnes qui chantent en d'autres langues, qui adorent le Seigneur en d'autres langues. Parce qu'il y a aussi une puissance quand même. Parce que s'il dit prier et chanter, c'est que c'est deux choses différentes. C'est ça. C'est différent. C'est que il y a quelque chose de différent. Et je pense que c'est important d'expérimenter tous ces aspects de la prière, de l'adoration, de la louange spirituelle. C'est-à-dire où tu adores et tu dis à Dieu. Peut-être même des merveilles que tu ne peux pas exprimer avec ta bouche, avec des mots naturels, si je peux dire. Et donc, je pense que c'est important de pratiquer ces choses quotidiennement. C'est même pour ça, je pense que la Bible va dire prier sans cesse. Pourquoi? Parce qu'en priant sans cesse, nous multiplions les chances à ce que notre esprit soit toujours, notre foi du moins, soit toujours fortifiée. Parce que notre esprit va être en forme, en fait. C'est ça. Un autre mécanisme pour fortifier sa foi, en fait, les frères et les sœurs remplis de foi à l'église. Si vous vous baladez avec des personnes qui n'encouragent pas votre foi, votre foi va s'affaiblir. C'est en fait. Il y a des personnes en fait, que le diable va utiliser pour attaquer votre foi. C'est vrai. Certaines personnes, le diable n'a même pas besoin de les utiliser pour faire ça. En fait. Ils le font déjà superbement bien. Ils sont très forts. Non, mais parce que parfois, on accuse trop le diable. Alors qu'il y a des gens, dans leur système de pensée, ils sont juste décourageants. C'est tout. Ils ont évolué dans un milieu où c'était négatif et ils ne veulent pas changer ça. Ils pensent que la norme, c'est ça. Et ils te disent, tu sais, il faut être réaliste. Il faut machin. Non, le problème, c'est que
la réalité, c'est la vérité de la parole. C'est ça, en fait. Si quelque chose est contraire à ce que la parole de Dieu dit, je ne vais pas parler ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'une des persécutions que les hommes de foi et les femmes de foi ont, c'est qu'on leur dit parfois, vous êtes orgueilleux, en fait. Ouais. Vous êtes orgueilleux. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'orgueil. Ils ne comprennent pas que l'orgueil, c'est parler différemment de comment Dieu parle. Et on ne se rend pas compte. En fait, c'est nous qui sommes humbles. Parce qu'on se soumet à la parole de Dieu. L'humilité, en fait, c'est de reconnaître la vérité. C'est de reconnaître la vérité. Et la vérité dit que tu es plus que vainqueur. Alors tu dois l'affirmer. C'est ça. Simplement. C'est ça. Tu te plies. Tu penses sérieusement que tu fais quel effort dans une société où tout le monde parle négativement, tout le monde marche par la vue, tout le monde marche. Toi, tu viens, tu as une mentalité différente. Oui. Bien sûr que c'est toi qui fais un effort supplémentaire, en fait. Tous les autres, c'est facile, en fait. Donc, je trouve que marcher par la foi, c'est nettement mieux. Moi, je préfère. Je pense non seulement c'est nettement mieux, mais comme tu disais, les personnes qui nous entourent, si elles ne marchent pas par la foi, la Bible va dire quand même que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein. C'est pas le contraire. Hein. Je dis pas que le contraire n'est pas possible, mais la Bible a spécifié que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, je pense que c'est important, comme disait l'apôtre, de choisir les bons amis qui vont parler le langage de la foi. C'est ça. Et avoir le courage de leur dire s'ils ne parlent pas le langage de la foi, qu'ils n'ont parle pas le langage de la foi. Ça. Et être prêt à nager à contre-courant. Et leur dire, je suis désolé, la Bible dit ceci, je parle comme Dieu parle. La Bible dit que le faible doit dire qu'il est fort. Donc je suis désolé, même si je me sens faible, je ne vais pas déclarer la faiblesse. Non. Je vais déclarer que je suis fort. Amen. Si je suis pauvre, je vais déclarer la richesse. C'est la Bible qui le dit. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Et puis la Bible, le Seigneur ne va pas nous demander de mentir. Comment va-t-il demander à un faible de dire qu'il est fort? Est-il en train de lui dire il faut mentir? Non. Il est juste en train de lui dire, voici le langage à tenir si tu veux être fort. Donc, celui qui est faible, il veut sûrement être fort. Donc, il doit dire qu'il est fort. C'est doit déclarer sa force. Et je pense que, comme tu disais, apôtre, il y en a qui vont penser que c'est de l'orgueil. Mais il n'y a pas plus humble. C'est ça. Parce qu'on reconnaît la vérité. On reconnaît la vérité, c'est ça. L'humilité, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est reconnaître que c'est avec Dieu que je peux faire des exploits. Amen. C'est ça, l'humilité. Et parler son langage. Il dit que le faible doit dire, je suis fort. Certainement, parce que Dieu a déjà mis la force au-dedans. Quand tu dis « je suis fort », tu actives la Alléluia. Force. Tu actives la force. Je réalise vraiment. Tu actives la force. Vivre par la foi est un art. Amen. On parle des compagnies. On doit vraiment veiller à notre foi. Quand notre foi est édifiée, on doit la protéger pour qu'elle soit maintenue dans cet état de force-là. Et malheureusement, beaucoup de personnes, parfois, on voit, ils sont dans des compagnies. Ils négligent cet aspect. Parfois, ils écoutent les informations. Il y en a qui ont une foi édifiée. Mais le simple fait qu'ils se retrouvent dans des compagnies, ils écoutent n'importe quoi et ils gobent tout ce qu'ils vont écouter. Mais comme la Bible dit, une parole rapportée est comme une friandise qui descend au fond des entrailles. Parfois, quand on marche dans la foi, il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. Parce qu'une mauvaise parole peut venir affaiblir notre foi. Les gens ne sont pas comme parfois accepter quelque chose qui n'est pas vrai. Ça va venir affaiblir notre foi. Moi, je connais des chrétiens. Je connais des chrétiens qui avaient vraiment une foi forte et vivante. Quand vous passez du temps avec eux, vraiment, c'était édifiant. Vous sentez qu'ils voulaient vraiment aller loin avec Dieu. Après, ils ont commencé à fréquenter des personnes qui parlent un mauvais langage, des personnes qui sont négatives. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, on reste avec ces personnes-là au nom de la légitimité de la relation. De l'amitié. On dit, bon, c'est mon ami de longue date. Ou même c'est mon frère. Ou même c'est mon père. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il y a des gens de ma famille avec qui je ne reste pas, Des gens de ma famille, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont, parfois, certains d'entre eux ont un langage tellement négatif que je n'aime pas passer du temps avec ces personnes-là. Je me rappelle, une fois, on est allé avec Alexandre au Gabon et on allait tourner un tout petit peu et on a pris un membre de ma famille. Je vous assure, j'ai senti que l'atmosphère avait changé. Nous, on a une atmosphère de foi, en fait. Avec tous nos jeunes, avec tout le monde, on a une atmosphère de foi. On était dans la voiture. Le gars t'as planté une atmosphère d'incrédulité, mais ce n'est pas possible. Un point où, quand je l'ai déposé, j'ai fait ouf. J'ai dit à Alexandre, il est space, lui. Et Alexandre me dit, oui, j'ai vu. J'ai bien vu qu'il est négatif. Et moi, j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, je suis désolé. En fait, si je ne te parle pas souvent, si je ne suis pas avec toi, c'est parce que tu nages dans une atmosphère qui est contraire à la mienne. Moi, je vais être entouré de personnes qui voient le positif. Quand un problème vient,
tu vois déjà la solution ou tu crois déjà que Dieu va te délivrer de là, en fait. Et en fait, l'un de leurs arguments souvent, c'est « oui, mais c'est la réalité. J'ai des problèmes, c'est la réalité, c'est ce que je vis. » Sauf que ça, ce n'est pas un langage de foi. La foi crée son histoire. La foi écrit son histoire. La foi déclare ce qu'elle croit. Elle ne déclare pas ce qu'elle voit, elle déclare ce qu'elle croit. Et je pense à l'époque de Galilée, la réalité, c'était aussi que la terre est plate ou que le soleil, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Hein. C'était ça, la réalité. La réalité, hein. Bah, voilà. On a découvert plus tard, en fait. Que Galilée avait raison. Voilà, que Galilée avait raison. Hein. Donc, c'est pas parce que tu vois ça que tu as quelques éléments maintenant que ça veut dire que c'est ça la réalité. La Bible est plus en avance que nous tous. Alléluia. Hein. La Bible est plus en avance. Amen, amen, amen. Quand la Bible dit qu'une maladie incurable peut être guérie, tu vois un peu, c'est plus tard, je pense. Si le Seigneur Jésus tarde et que la médecine avance, ils se rendent compte que les maladies qu'on disait incurables à l'époque, aujourd'hui, on peut les guérir. Donc, quand il dit, c'est la réalité. Mais quelle réalité? La vérité, quelle vérité? Qu'est-ce que tu sais de la vérité? Selon qui? Et je pense que c'est souvent là où, justement, les gens vont suivre, en fait, les tendances du moment, au lieu de suivre la parole de Dieu. En général, les gens qui parlent comme ça révèlent leur niveau de consécration quelque part. Parfois, parce qu'on ne peut pas passer autant de temps avec le Seigneur où on adore, ou en méditant la parole de Dieu, et on n'est pas fortifié dans la foi, en fait. Ouais. Tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu reviens, tu es affaibli. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est que tu fais les choses mal. Il y a un problème, en fait. Mais à cause des circonstances, ils disent, oui, mais c'est un professionnel. Je rappelle le langage, là, tu te rappelles. La personne qui dit, oui, mais c'est des professionnels, donc ils savent. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'il n'y a pas plus professionnel que Dieu. Amen. Il n'y a pas plus professionnel. Il connaît tous les domaines, il les maîtrise. Amen. Il les maîtrise bien plus que le mot maîtriser même. Amen. Donc, si lui, il te dit c'est comme ça, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra lui dire non, c'est pas comme ça. C'est ça. Donc, l'idée de dire qu'il y a des professionnels qui ont fait des études pendant 7 ans ou je ne sais pas combien d'années, alors que Dieu, ça fait l'éternité qu'il est là. Donc, quelque part, ils ont une mauvaise conscience de qui est Dieu. C'est ça. Donc, manque de communion avec Dieu. Et puis, par rapport, encore une fois, aux compagnies et tout, il y en a qui parfois refusent de transcender, de chercher mieux. Parce qu'ils se disent que, bon, ils se confortent dans leurs problèmes parce que d'autres personnes ont des problèmes. Je pense que ce n'est pas une bonne attitude à avoir. C'est comme quelqu'un qui racontait à l'université, à l'école, après un examen, le professeur a mis des notes et tout ça, et puis il a regardé sa note, il a peut-être eu 6 sur 20 et tout ça, et puis il était mal et tout ça. Et puis, il va voir ses camarades de classe, il dit, mais toi, tu as eu combien? Ah, moi, j'ai eu 5, l'autre, moi, j'ai eu 4, l'autre, j'ai eu 7. Et du coup, il s'est calmé, il s'est dit, ah bon, finalement, il n'y a pas que moi. Vous voyez, parfois, les gens ont cette attitude-là. Ça fait que parfois, même dans les amitiés, les gens n'arrivent pas à faire le check-up, voir que, bon, pas mal, tel ami ou tel machin, pas tel machin, telle personne-là m'affaiblit dans ma foi. Parfois, on est toujours exposé aux personnes qui sont négatives, comme l'apôtre vient de le dire, mais on n'essaye pas de se dire, ben, tiens, finalement, les conversations que j'ai avec tel, avec Y, avec Z, avec T, mais ça m'a affaibli, ça m'a affaibli dans mes émotions. Mais on n'essaye pas de faire l'effort, on dit, mais tiens, et même corriger la personne, non, mais les informations que tu me donnes là, ça ne doit pas être comme ça. C'est comme on dit dans le ministère, ben, on ne critique pas les oies. C'est un chemin où il faut reculer et prendre le bon chemin. Tu vois, parfois, il y en a qui restent au nom d'une amitié légitime, de quelque chose comme ça, mais ça affaiblit ta foi. Rectifie-toi, parce qu'une foi qui n'est pas forte, mais manquer de foi, c'est une perte dans sa vie. Elle ne va pas affronter. Je vous dis que les problèmes ne feront pas pause. Ah, les problèmes ne vont pas dire, non, là, sa foi n'est pas forte, on attend. Il faut être patient. Parce qu'il faut être patient encore un tout petit peu. Non, quand ça vient, en fait, on doit être de façon permanente. Amen. Avec une foi forte, amen, c'est amen, important. Amen, amen. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent affaiblir votre foi à cause de leur langage, de leur façon de parler, et que vous sentez que ça ne change pas, mettez-vous avec les personnes qui sont édifiantes. Je me rappelle d'un ami, et je pense même, on a démarré le ministère ici en France au même moment, presque en même temps. J'ai démarré l'église à Rennes, et lui, il a démarré l'église à Paris. Le problème, c'est qu'il était trop négatif. Il était trop négatif, à un point où il s'enfonçait dans ses problèmes. C'était quelqu'un qui était capable de prédire que les issues allaient venir. Il était capable. Il était capable. Il dit non, là, les huissiers vont venir. Je sais que cette semaine. Et les huissiers venaient. Et
quand les huissiers venaient, tu vois, je savais que les huissiers allaient venir. Un vrai je prophète. Non, un vrai prophète. Il ne comprenait pas que c'est lui qui a tiré les huissiers. C'est lui qui a tiré en déclarant, en fait. Et je me rappelle une fois, il a eu des courriers des huissiers et je suis allé le voir, mais vraiment pour le fortifier. Il était vraiment mal et souvent, parfois, pour l'encourager, on lui faisait des offrandes, mon épouse et moi, pour lui montrer que Dieu est là, en fait. On était étudiants, mais on voulait lui montrer que Dieu est là en lui faisant des offrandes, machin. Prends courage. Un jour, j'arrive chez lui, il y a des lettres d'huissiers partout, en fait. Et là, il est en train de se plaindre. Il dit, non, les huissiers vont venir, nanani, nanana, j'ai trop de problèmes. Et je lui dis, et j'ose lui dire, non, les problèmes que tu vois là, c'est un mirage. Ah là là! Mirage! 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 Et cette feuille? Il s'est énervé. Il m'a dit, je peux te garantir que ce n'est pas un mirage. Oh my God! Les huissiers sont vraiment là. Et j'étais juste en train de lui dire de défocaliser son regard sur les problèmes et de mettre son regard sur la solution de Dieu. Amen. Pour Amen. Dieu, ces problèmes n'existent Amen. Pas. Amen. Est-ce que vous pensez que Jésus, devant l'eau, là, quand il a marché sur l'eau, vous pensez que pour Jésus, l'eau était existante? Non, Jésus a seulement marché sur l'eau, en fait. Amen. Parce qu'il s'est défocalisé sur le fait que l'eau pouvait l'absorber ou il pouvait se noyer, en fait. À un moment donné, quand on a des problèmes, c'est important parfois d'avoir la mentalité où on les ignore et on se focalise sur ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Amen. Il n'a pas fait cas, en fait, de son corps, de la vieillesse de son corps. Donc, le problème, c'est que, pour terminer avec l'histoire de mon ami, bon, justement, on ne se fréquente plus à cause de ça, parce que bon, il trouvait que j'étais trop illuminé. Mais aujourd'hui, sa vie tourne en rond. Sa vie tourne en rond. Et tu es la preuve, tu es vraiment illuminé. Les choses avancent. Voilà. En plus, Dieu veut qu'on prie pour qu'on soit illuminé. Si c'est ça être illuminé, soyez illuminé. Son église n'a jamais décollé. Ça n'a jamais décollé parce que tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu et être négatif à un point où ton langage décourage même les autres, en fait. Parce que vous pouvez vous poser la question, quand vous discutez avec les gens, est-ce que les gens sortent de là fortifiés ou les gens sortent de là découragés? C'est ça, en fait. Et là, tout dépend de comment vraiment les gens prient. Je pense que... Et ce qui est remarquable, il faut vraiment que les uns et les autres, bon, ceux qui nous suivent, expérimentent ça. Mais il y a vraiment de manière graduelle, quand on prie, on voit vraiment que, tiens, il y a peut-être des épreuves qui sont là. Un moment, on est dans la prière. On est dans la prière, mais on se rend compte, mais vraiment, littéralement, que comme si on est devenu Superman, le problème est devenu petit. C'est même pas que peut-être la situation est résolue, ainsi de suite, mais c'est déjà l'état intérieur qui change. Moi, je pense que c'est d'abord ce que Dieu veut, parce que Dieu ne peut jamais venir intervenir, ne peut jamais venir solutionner nos problèmes quand on est dans le trouble. C'est ça. Parce que Dieu veut toujours nous amener sur un terrain de paix. Exactement. Et c'est là où il y a des solutions, c'est là où il y a des stratégies, ainsi de suite. Exactement. Mais la prière va vraiment nous amener graduellement sur un terrain de paix. Moi, quelque chose, quand je prie, mais je prie, tant que je n'ai pas cette paix-là, je maintiens la prière. Ça, c'est que je vois des situations petites, même si c'est pour... Quel que soit ce que je veux faire, prie pour voir le Superman se lever. C'est ça. Et je sais que je suis... Un autre mécanisme, un dernier, en fait, c'est parler à son âme. Ah, c'est se parler. Parce que en face d'un problème, parfois... nos émotions qui sont mal éduquées, notre système de pensée qui est mal éduqué peut en fait nous amener à paniquer, à se troubler au-dedans de nous. Amen. Et parfois, on doit avoir l'attitude de David. David dit, ne t'abats pas mon âme, l'Éternel est ton Dieu. Amen. Parfois, il faut demander vraiment à notre âme de se... Et pour ça, il faut se parler. Il faut vraiment se parler. Alain Patrick, tu es fort. Alain Patrick, tu es riche. Alain Patrick, peu importe le problème qui est en face de toi, tu es capable de le vaincre. Amen. Se parler soi-même. Amen. C'est pour cela que, apparemment, Pasteur Darwin, désolé. C'est pour cela qu'il est vraiment important de se... Et tu nous l'as souvent dit, et c'est vraiment quelque chose... Il y a des paroles fortes. C'est par rapport aux émotions. En fait, les émotions ne vont pas tenir compte. Est-ce que tu es dans un entretien d'embauche? Voilà. C'est pour ça qu'il est important de les orienter, c'est ça. De créer des bonnes émotions. C'est ça. C'est, d'où le fait de parler à son âme. C'est quand ça. On parle, on répète des paroles à son âme, en fait, les paroles vont dans le subconscient. C'est ça. Et ça fait que
Parce que l'âme, finalement, si on ne plante pas quelque chose, c'est ça. L'âme peut venir rejouer des mauvaises expériences. C'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent, ils ont vécu une mauvaise expérience, mais ils ne se renouvellent pas. Et il n'y a rien, finalement. L'âme va prendre ce qui est négatif, mais ils s'étonnent d'avoir des mauvaises émotions. C'est ça. On parle de quelque chose, ben, au lieu qu'ils se réjouissent même, ben, ils vont être mal, parce que finalement, ils n'ont pas renouvelé leur âme. C'est ça. Et l'âme rejoue les anciennes et mauvaises expériences. C'est, ça. C'est pour ça qu'il est vraiment important de parler à son âme. Dire qu'on est fort, dire qu'on est riche, dire qu'on est superbe, dire toutes ces bonnes choses-là. Et quand on les dit, mais à foison, on va étouffer finalement les mauvaises émotions, les mauvaises expériences que l'âme a peut-être enregistrées, c'est ça. Vont parler moins fortement. C'est vrai, et c'est important, comme tu disais, apôtre, de comprendre que si on parle à notre âme, on fera forcément la différence. Et une fois, je vous disais que dans une émission, que le Seigneur m'avait dit que ma première brebis, c'est mon âme. Je suis ma première. Bon, tu as dit à l'une des émissions ici. Je suis, mon âme, c'est ma première brebis qui doit être éduquée, pour ne pas dire rééduquée. C'est important de prendre le temps et de partir de zéro, de comprendre que, de se donner le temps, de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, de comprendre qu'il y a des choses qu'on doit transformer et faire même un check-up comme David le faisait, en regardant, en posant des questions au Seigneur. Seigneur, dis-moi, où est-ce qu'il y a des soucis? Où est-ce qu'il y a des... Et s'observer pour voir pourquoi je réagis de telle ou telle façon. Parce que si on ne comprend pas les différentes réactions de notre âme, on sera surpris de nos réactions. Par exemple, dans un entretien d'embauche, la personne va dire une parole qui va te rappeler une situation, tu vas t'énerver. Tu vas commencer à pleurer ou quelque chose. Et tout va partir dans tous les sens. Tu perds en crédibilité, tu perds l'embauche, tu perds le travail. Et je pense que c'est important de prendre le temps de s'analyser. Le Seigneur est quand même venu gagner nos âmes. Il a racheté notre âme. Notre âme a une valeur particulière, en fait. Parce que c'est par notre âme que nous allons réussir à attirer même les choses dans le monde spirituel sur la terre, en fait. Et dans le monde physique et naturel. Et donc, je pense que nous devons prendre le temps de l'éduquer. De le prendre. Moi, le Seigneur me disait vraiment, c'est comme un enfant qui vient de naître. Tu es un bébé spirituel. Même quand on dit bébé spirituel, quelque part, l'esprit est déjà tout fait. C'est l'âme qui est en train d'apprendre les informations, en fait, petit à petit. Et donc, du coup, l'idée, c'est de petit à petit faire grandir l'âme, faisant comprendre que non, là, je réagis comme ça, et c'est fini, il faut que je réagisse comme ça. Et on s'éduque et ne pas hésiter à se dire, non, stop, mon âme, là, ça n'arrivera plus. Darius, tu ne fais plus ça. Tu ne parles plus comme ça, tu ne réagis plus comme ça. Et dès que ça recommence, tu dis, non, je t'avais dit, et s'auto-parler. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on est un peu fou. On se parle comme si c'était une autre personne. Alors que non, c'est même comme disait l'apôtre, même David le faisait. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme, réjouis-toi. Âme, ne pleure pas. Ne t'énerve pas, calme-toi. En le faisant, ça devient une habitude. Et on se crée même une nouvelle personne, comme tu disais. Vaut mieux être toi-même en c'est mieux ça, c'est ça. Que toi-même en pire. C'est ça. Bon, on ne va pas laisser le pasteur Darius faire le tour de tous les personnages publics. Le temps est largement dépassé. On va rebondir. Wow. My God. OK. Si cette émission vous a béni, ou comme cette émission vous a béni, je vous invite à devenir partenaire d'Évangile TV en allant sur le site d'Évangile TV en téléchargeant l'application sur votre mobile et vous pouvez nous soutenir. À la prochaine émission, on va continuer. Donc, ne ratez surtout pas la prochaine émission. On va vous donner encore des clés sur comment vaincre spécifiquement certains problèmes. C'était l'émission Pendule à l'heure. Je vous dis à bientôt.